facilitateurs et l'ensemble des négociateurs. Et adresser un merci affectueux à la présidence péruvienne de la COP20, en particulier à notre ami Manuel Pulgar Vidal, qui a donné l'impulsion nécessaire prennent le relais l'an prochain. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Au cours de cette conférence de Paris, nous avons voulu que les conditions d'accueil, de travail...